Et salut à tous, on se retrouve sur Minecraft, enfin sur le serveur Epicube, dont Frigiel a fait la pub, qu'il a aidé à développer, ou je ne sais plus trop quoi. Donc il y a trois mini-jeux, donc c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Donc il y a trois mini-jeux, donc le Ship Wars, PvP Swap, et le champ de bataille. Donc je pense faire une vidéo par mini-jeu, mais je pense pas que ça fera des vidéos de 20 minutes, 15 à 10 minutes ça suffira. Donc on va commencer par le Chip Wars, qui est mon jeu préféré personnellement. Galion, on peut pas. On peut pas. Ouais, par contre ce qui est chiant c'est que ça va assez vite. Dès qu'il y a une nouvelle partie, il y a tout le monde qui veut rentrer dedans, c'est un peu chiant. Fin de partie. Là, on va être dans laquelle on va être dans, si ça veut bien charger, voilà, Hilo. Donc Hilo qui est assez sympa, voilà. Donc on va prendre, donc en fait il faut choisir une autre équipe, donc moi je prends toujours la bleue, et on a un kit aussi à choisir mais qu'il faut acheter en gagnant des parties, hein, donc faut pas être VIP tout le temps. Donc là, c'est pour avoir plus de moutons, on a 3% d'avoir plus de moutons, et le but en fait c'est de tuer tous les adversaires. On a qu'une vie. On va balancer notre mouton, hop. Et en fait, chaque mouton a une spécialité. Donc le rouge là que je viens d'envoyer, il a une spécialité, c'est qu'il met le feu à tout. Donc il met le feu et il explose en même temps. Donc moi, je vais aller dans ma petite tour. C'est mon endroit préféré. C'est là où je peux sniper tout le monde de loin. Personnellement, c'est de ce côté. Hop. Alors là. Bon, par contre, j'entends pas du coup. Si je touche des gens. Ah, le rose. Bon, ça, le rose, ça permet de soigner. Donc, après, il y a quoi d'autre comme mouton? Il y a le noir. Le noir. Qui est très très chiant. En fait, qui nous brouille la vue. C'est ben, notre écran devient tout noir pendant quelques secondes. Ensuite, le gris, c'est à fragmentation. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs explosions. Ouf. Les rouges, ils nous ont dominés là. Ah non, mais je suis rouge. Merde. Je me crois bleu, oui, parce qu'en fait on choisit le bleu, mais c'est jamais le bleu. Enfin, je sais pas, c'est un peu spécial. Le rouge, donc là j'ai un rouge, donc là c'est parfait, mais ça c'est chiant. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut casser les cubes aussi. Ah, voilà, c'est chiant en fait, ça ricoche, c'est un peu chiant. Un mouton ténébreux, parfait. Hop là, donc toi déjà, tu vas être ébloui par ma beauté. Sors. Parfait. Un petit rouge. Hop là. C'est pour le plaisir. Ça va faire boum, mon pote. Il a rien eu. Super. Un petit mouton gris. Alors ça, c'est un mouton assez sympa. À fragmentation, donc ça veut dire qu'il explose plusieurs fois, comme je vous l'ai déjà dit. Ça va faire boum. En fait, il y a plein de petits moutons après qui respawn. En fait, j'ai jamais remarqué, mais il y a plein de petits moutons qui respawn juste après. Mouton blanc aussi qui est assez cheaté, mais je crois qu'on l'a pas beaucoup. Merde! Dégage-toi. C'était pas toi que je voulais, je t'aime pas. Hop là. Mouton à tête chercheuse, donc ça, c'est mouton vert pomme. Qui est assez sympa en fait, il cherche quelqu'un, il explose au-dessus de lui ou alors près de lui. Hein. Un mouton incendiaire. Parfait. C'était pas là que je voulais tirer moi. Ah bah voilà. Donc on a bientôt gagné, ils sont plus que 1. Et on a bientôt, j'ai dit bientôt, mais je sais pas où il est. Il doit être là-bas. Un mouton rouge. Parfait. Hop, en plus ils vont super loin les moutons, c'est super sympa. Ah, un mouton blanc. Géronimo. Oh, t'es sérieux? Non! Bon bah voilà. Je suis mort on va le dire comme une merde. Rien qu'en voulant me téléporter. Rien qu'en voulant me téléporter. Mais bon. Hop, t'es en plus il entraîne les. Putain, j'espère qu'ils sont 3 contre 1 quand même, ils vont pas non plus perdre. Je sais même pas où il est le bleu. Ah non, on a gagné. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même gagné des points. Tiens, t'es mort. Donc on va en refaire une sur une autre partie. Ouais.
J'espère que ça va être une nouvelle map, enfin une autre map plutôt. Building, elle est assez sympa. Un peu chiante, mais sympa. On va prendre toujours les 3% de moutons. Donc après, on peut. En fait, il y a plusieurs grades. Je vous ferai voir ça de toute façon. À la fin de cette partie, je vous ferai voir ça. Donc, toujours sélectionner la troisième. Pour au cas où si on a un mouton puissant. Hop, mouton rose, d'accord. Donc ça, c'est pas du tout puissant. Mouton rose, en fait, il vous sert à vous soigner, tout simplement. Sinon, ça sert strictement à rien. Si à soigner les ennemis, si vous êtes gentil. Comme moi, j'aime pas être gentil avec les ennemis, bah, je les soigne pas. Ce qui est bien avec cette map, c'est qu'on n'est pas bien loin l'un de l'autre et on peut aller avec. On peut aller chez eux, là, par là, là. Je vais même essayer d'y aller, parce que j'y suis jamais allé. Hop là, on va monter tout en haut. Enfin, on va monter tout en bas aussi, hein. J'ai quelques lacs quand même, mais bon, c'est normal. On va monter. Salut. Wow. Ça explose un peu beaucoup là. Comment monter tout? Oh. Ça fait boum. Alors, où c'est qu'on peut passer? D'accord. Un mouton noir, ouais, je l'avais pas. J'avais pas vu, j'avais un mouton noir. What? C'était quoi ça? Pourquoi on a de ça, nous? Deux moutons ténébreux, super. Hop là. Aïe. Et pourquoi il y a de la TNT dans les mains? C'est pas bien la TNT. Comment monter là-haut? Telle est la question. Je ne sais pas comment on monte tout en haut. Ah, par là, d'accord. C'est pas là où j'étais? Non, bah la preuve. Donc, ensuite, allez, comment aller chez eux? En fait, on peut pas vraiment aller chez eux. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, du moins. Un mouton vert. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est mouton à tête chercheuse. Hop là. Gerlimo. Il s'est écrasé comme une merde. Bon, on est en train de dominer encore la partie. Hein. Aïe. Hop là. Bon, par contre, ce qui est bien aussi avec ce serveur. Ah oui, je vous ai pas donné l'IP, mais bon, ça, je le ferai dans la description. Et je verrai si je me rappelle plus ce que c'est. Mais si je me rappelle, je vous la dirai dans la vidéo. Ah bah, il y en a un qui est mort. Et ce qui est bien, c'est que même quand on tue. Même quand c'est pas nous qui tuons. Oh, il m'a fait flipper, lui. Même quand c'est pas nous qui tuons quelqu'un. On gagne quand même des points. Ah, ça m'énerve ça. Géronimo. Ouais. Sais pas où il est. Là-bas. Super. C'était super utile ce que je viens de faire. Hop. Ah, on peut donc sauter chez eux. Donc c'est sympa à savoir. Ah ouais, donc on peut aller chez eux. Ok. Donc c'est sympa à savoir. Je veux te tuer, je t'aime pas. Bon. L'IP du serveur, hein, je sais toujours pas. L'IP du serveur, c'est quoi déjà? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, sur le serveur, on peut avoir des montures. Bon, bien sûr, il faut les acheter ou alors les débloquer, je sais plus. Ou les développer en étant VIP. Ou les débloquer sur le site. Donc le site c'est http, bah, vous voyez à l'écran, http /epicube.fr / boutique. Et ensuite on peut les acheter avec 1000 ou 10 000 carrément. Mais bon, pour l'instant j'ai pas grand chose. J'ai... Oh. Wow. D'accord, je crois que j'ai lag. J'ai lag. Il y a beaucoup de crash, voilà. Il y a beaucoup de crash parce que
Bah, le serveur, quand il se remplit, voilà, c'est déjà plein. Donc, par contre, c'est très dur de rentrer sur le serveur. Mais bon, en tout cas, les boutiques, bah, vous cliquez, enfin, vous voyez, de toute façon, c'est marqué boutique. Et par contre, faut vous gagner des parties ou alors tuer des gens dans certaines parties pour pouvoir débloquer certaines choses. Donc, moi, je joue souvent au mouton parce que c'est le jeu le plus sympa pour l'instant. Mais il va y avoir d'autres jeux. Donc, voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner. Donc, j'espère que si vous voulez jouer de temps en temps sur le serveur avec moi, bah, dites-le moi. Mais ça va être dur de rentrer pendant la journée. En tout cas, faudrait y jouer surtout le soir ou la nuit. Et encore le soir, je pense que c'est là où ça va être encore plus bombé. Mais la nuit, vers 3 h du matin, il y aura peut-être des places. Je sais pas. Bref, moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.